Jeanne et son être humain. Oui, la musique avant toutes les choses. Ouais. L'art poétique de Verlaine, c'est ça que tu nous proposes? De la musique avant toutes les choses. Vous étiez fan? Jean Benoît, de retour à Marseille, comme un affreux cargo chargé des troncs vermeils. Dérive en immondice à travers les égouts, la beauté fut assise sur ce genou. Horreur à Arthur, es-tu l'injurié? Horreur à Arthur, tu l'as trouvé. Amère, la beauté. Une saison en enfer foudroie la Vicinie. Aux sorcières, aux misères, aux haines, aux guerres, voici le temps des assassins que tu sponsorisas en livrant tous des flingues au royaume de Shoah. Horreur à Arthur, au Bethlehem, au château. Horreur à Arthur, quelle âme! Arthur est sans défaut. Les poètes aujourd'hui ont la farce plus tranquille quand ils chantent au profit des derniers d'Anakil. Juste une affaire d'honneur mouillée de quelques larmes, c'est quand même un des leurs qui fournissait les armes. Horreur à Arthur, t'es vraiment d'outre-tombe. Horreur à Arthur et pas de commission. Horreur à Arthur et pas de cresson bleu. Horreur à Arthur ou la lumière bleue. Excusez-moi, je vais juste réagir, mais Thierry le faisait très bien. Et en fait, on voulait faire un... On ne savait pas ce qu'on fait. Donc, comme on n'a pas... c'est mieux de faire son texte. Putain. Que là, j'en profite pour... du coup, dire un très court texte, parce que là, j'ai déjà bouffé du temps. À moi. Parce que j'ai parlé... On a parlé de la mort, là. Jouer avec la mort, jouer avec le trafic d'armes en Afrique, trahir... ouais, une vocation vers le sublime. Alors, je vais vous dire un texte. Parce que j'ai entendu... parler d'une grand-mère, d'un père, d'ailleurs, même si on arrive en retard. Et écrire pour les animaux qui meurent, c'est juste ce qui, quand je lui demandais pourquoi écrire à la place des animaux, trouver une façon de mourir, ou qui, ouais, qui on a une façon de mourir. Voilà, on en a un bien vivant, ah, c'est Jeanne. Elle a plutôt. Jeanne, les animaux courts, on va dire en grec. Non, un grand bec, t'as de voir, c'est un autre prénom, mais trécaille, c'est un... le verbisme au singulier, parce que c'est... La creuse enfin, ouais, non, ouais. Trécaille, les animaux courts, les versions. Ouais, ouais, ouais. Écrire pour les animaux qui meurent, au fond de la nuit, silence, caché par la main noire, qui est un feu de joie, fait tomber toute feuille de vivant, les sans-voix s'en vont. Imperceptible, en marche continue, au fond de leur nuit. Silence. La plainte les a laissés tels, muets, abandonnés de leur loin, de ceux qui restent sages ou ne savent pas. Tout un être enveloppé se meurt sur lui-même, sur cœur, qui bat encore. Sa dernière infime cadence. Quand le tumulte abat le champ de vivant bientôt enseveli sous les cendres d'un temps révolu où l'on croyait, où l'on priait, entre frères, pour tout frère, désirant voir justice advenir et s'imposer de soi naturel équilibre. Temps révolu de l'action productrice, génératrice d'éclosion de fleurs, au parfum. Délicat, puissant, s'élevant d'entre rameaux verts et droits, quand même sinuant vers le jour, naissant, promesse de vive lueur. Quand, désormais soir descend, pour la dernière fois, sur les yeux brûlés vifs, comme champs dévastés par la poudre terrible, et forêts d'arbres secs soufflés par feu. En un instant. Voilà que la course s'avère inutile. Déjà courue. Par mille, mille pieds intrépides, fauchés en vol, disparus, peuples
innombrables de sans voix, aux joies passées, fugaces, inaperçues. Merci. Bravo.